Salut tout le monde, je vous fais un petit débriefing rapide sur un chouette événement qui s'est déroulé la semaine dernière au CSA. C'était la deuxième édition du Meet You. C'est des rencontres informelles qui sont avec des acteurs de paysage audiovisuel en Belgique. Et en l'occurrence ici, la thématique c'était la liberté d'expression. Et évidemment, c'est une thématique super importante où il y a beaucoup d'enjeux liés, entre autres, à la régulation qui est faite par les plateformes. Facebook, TikTok, les autres, YouTube, entre autres, ont des règles particulières qui font que parfois ça se chevauche avec le droit belge et le droit européen. Donc c'était vraiment un plaisir de pouvoir essayer d'être le plus pédagogique possible, d'offrir un maximum aussi de compréhension à ces acteurs de l'écosystème, puisque on sait, il y a aujourd'hui des gens qui gagnent leur vie, et bien leur vie grâce aux réseaux sociaux. Les plateformes ont permis cette créativité-là, mais le côté pile ou face, ça dépend de quel point de vue on se place, de l'histoire, c'est que parfois, il y a une forme de censure aussi qui s'effectue par les plateformes elles-mêmes. Et donc c'était vraiment super intéressant de pouvoir en discuter, avec notamment Jonathan de Would You React, avec aussi le collectif de streamers, Chloé, Hilaria, avec aussi des juristes, avec Coralie, avec Caroline, pardon, avec Elodie, aussi du CSA. Bref, voilà, c'était vraiment super cool de pouvoir animer ce débat-là. Ça fait écho chez moi aussi à plein d'intentions, plein d'intuitions qu'on peut avoir par rapport à quand on est journaliste, quand on est producteur de contenu, quand on accompagne aussi des médias dans ces enjeux-là. Voilà. Donc un tout grand merci au CSA m'avoir fait confiance une nouvelle fois pour animer cette année-là. Et puis, pour plaisir aussi de pouvoir imaginer la suite, parce qu'évidemment, des thématiques comme celle-là, il y en a plein. Je pense notamment à l'intelligence artificielle. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques aussi, des choses à pouvoir mettre en avant. Je vous laisse tous les liens évidemment dans le post associé pour aller voir le compte-rendu qui a été fait par le CSA même. Et puis il y a pas mal aussi de réactions qui sont faites sur les réseaux. Donc voilà, si vous avez des idées, des envies, d'autres thématiques, d'autres conférences, d'autres débats de ce genre-là, je suis à votre disposition. Voilà. Ciao!